Mission 16, hein, on se souvient de l'épisode, enfin de la mission très très longue qui était l'échange. Donc, mission 16, c'est parti, toujours le même principe, triple S dans toutes les missions de type Nephilim. La porte de l'enfer représente la source du pouvoir de Mundus. On ne peut l'atteindre que depuis sa chambre. Vous devez y pénétrer et condamner la porte. Mundus est encore affaibli par sa dernière colère. C'est l'occasion ou jamais. Mundus ne sait pas que Virgil est un Néphilim. Ça va jouer en notre faveur. La tour a une porte de service, située ici. Virgil, tu dois atteindre la salle de la sécurité sans te faire voir. Dante, tu vas devoir faire diversion, ici. Hé hey, les gars! Vous voulez vous battre? Je suis là! Tu tiens de ton père, toi. Stupide et arrogant comme Bad. Moi, un dieu. Contre toi, une pauvre merde. C'est un certain centre de gravité, ce truc. Lorsque Mundus te verra, cela. Il déchaînera tous les feux de l'enfer. Reste près de l'entrée de la tour. Ouais, alors si je glisse comme ça, par contre, ça va pas le faire dès le début. Oula, hé, oh. Il va plus avoir des villes à ce train-là. Allez, un saut. Ouais. Disons, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que je veux. Oh. Bon, tu sais quoi? Je vais recommencer parce que là. Je sais pas ce que j'ai. J'ai. Ouf, je louche là, je sais pas. C'est très moche. Hein. Voilà, on va passer les cinématiques quand même, faut pas déconner. On va passer les deux cinématiques quand même. Lorsque Mundus te verra, il déchaînera tous les feux de l'enfer. Reste près de l'entrée de la tour. T'en fais pas, j'ai pas l'intention d'aller bien loin. Ils ont fermé les portes. C'est quoi ça? C'est moche ça. Ouais, même principe, on les regroupe tous. Ouais, le but étant de faire du sport, franchement. Non, oh là. Allez! Ah, ça ne faisait pas la tirer, je sais pas pourquoi. Oh, il manquait vraiment que ça, quoi.
Allez, Virgil, on compte sur toi. Là. Oh, la vieille console Windows XP, quoi. C'est génial. Merci pour l'entrée. Donc, tu dois atteindre l'entrée principale avant que tu fermes. Tu n'auras que quelques secondes. Oh, c'est pas touché. Ah bah, faut la trouver l'entrée, hein. Ça se resserre, mais vite, hein. Mais bon, fallait faire des points. Tu devras affronter le garde des villes de Mundus. Élimine-le en vitesse. Ah bah, t'es drôle, toi. C'est parti. Oh putain. Ouais, c'est les plus rapides que tu vois, mais voilà, bon, ça m'aura fait perdre des points, c'est sûr. Combien encore ? Virgil va désactiver le système interne de Gemara. Mundus ne pourra plus voir où tu es. Approche, Dante. Si tu l'oses. Ah, cette fois, descends, hein, si tu l'oses. Petite bite. Ouais. C'était peut-être un peu violent, ça. Les bureaux sont très bien épandus. La seule exception, c'est l'étage 87. 87. C'est là que tu retrouveras Virgil. Putain, rapide l'ascenseur. Vache, frérot. Yo, quoi. Ça va, mon frère? Ouais, ça va. Vous vous séparerez ici. Dante, tu te dirigeras vers l'aile est. Toi, Virgil, vers l'aile ouest. Là où se trouve la salle du serveur principal. Ouais, toi aussi, frérot. Dante, tu vas devoir emprunter une passerelle pour rejoindre l'aile est. Tu la couperas sur ce chemin. Virgil prendra le contrôle des serveurs dans l'aile ouest. Et t'ouvrira le chemin. Ok. Hop, c'est par là. Ah. La sécurité sera renforcée à cet endroit. Ouais, alors c'est compliqué surtout, là. N'essaye pas de traverser tout de suite. Ouais. C'est toujours le même code qui défile là. Hein. Par contre, c'est magnifique. Pas de soucis, ça me va. C'est le département finance. Ceux qui travaillent là ne sont quasiment plus humains. Ils ont été corrompus jusqu'à l'extrême. Un jour, l'humanité tout entière sera soumise à Mundus. Tout comme nous. Alors c'est ça l'enfer du boulot. Non, putain.
Oh, oh, je l'ai rattrapé en plein vol, c'était magique. De là, tu vas devoir trouver un accès vers l'étage au-dessus. Ouais, ouais, c'était là. Ouais. Ah, bah attends. Ascenseur? Non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est ça. Dis quoi déjà? 105e étage, passerelle. C'est ça. On prépare à abonner vos rires. 105e étage. Va au 106e étage. Quoi que tu fasses, surtout, ne t'arrête pas au 105e. Il grouille des nuits. Merde! Ouais? Merde! Ah! C'est fermé? Bon, ça va, j'ai vu pire. Regardez ça. Hop. Ah, ça me touche. Ah, ça me double touche. Pardon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Arrête de te mettre devant, toi. Alors là, si je fais du bon score, c'est pas normal. Comme toi là. Allez. Voilà. C'est bon, stop. Allez, stop. Voilà. C'était par où déjà la route? C'était par là, je crois. Ah, ça c'est moins drôle. Ah ouais, putain. Ah, je l'ai esquivé pourtant celle-là. Voilà. Monte à l'étage supérieur. Ah, oh, le score pourri. Rien que tout ce qu'il a tapé quoi. Ouais. Oh, il y a que là. Ouh. Ah oui. Non mais faut pas faire le coup. Y'a quoi ici? Ah bah y'a pas d'ascenseur hein. Ah, oh là, bon. Ah mais... Voilà. Karma. Ah, tu me donnes... Alors, il y a des trous là encore. Les démons doivent savoir que tu es dans l'air est à présent. C'est le moment. Bah. Faut prévenir les gars. Ah, je me suis pris des dégâts gratuits, genre. Voilà. Ah, j'espère que ce sera trop un problème au niveau de temps, ça. On va bien charger cette arme là, c'est une mini-frottin ça. Voilà.
Hop là. Stop. Ok, et maintenant je fais comment? Il n'y a plus rien pour remonter, ça se passe comment? Hop, hop. Par là? Ah non, d'accord. Ah, je m'étais pris des dégâts gratuits ici, je sais pas pourquoi. Dépêche, Virgile. Ça vient, Dante. Virgile, fais juste attention à ne pas déclencher l'alarme piratage. Bingo. Oh ouais, le bon Windows XP, c'est magnifique. Bingo. Ah. Pas bingo. Oh, j'allais le dire. Bordel de merde. Virgile, tu ne dois pas te laisser entraîner dans les limbes. Sinon, tu ne pourras plus pirater les serveurs. Si tu es détecté, c'est fini. Ouais, oh, d'accord, c'est un peu bugué. Je peux y arriver. Arrête! C'est encore toi? Alors, on va terminer là, c'est pas de temps à perdre. Hein. Arrête, c'est cette forme là. Il est resté plus longtemps. Ah ouais, d'accord, celui-là il est resté plus longtemps. Il recouvrera l'ascenseur principal. Ok, alors juste. Ah bah on peut pas, très bien. Donc on a fait le tour en fait, c'est tout. Ok, c'est où l'ascenseur principal? Ah, c'est pareil. Wesh. Ici, tu retrouveras Virgile. Wesh, salut frangin. J'avais sous-estimé Kat. Pas moi. Tu t'es attaché à elle. Tu défends notre cause. Au début, t'en avais rien à cirer. C'est possible. Prends l'ascenseur jusqu'à l'étage 154. Tiens, Dante, prends ça. C'est quoi? Je l'ai prise sur un agent de sécurité. Il l'avait camouflée, mais c'est une arme démoniaque. Très puissante dans les limbes. Merci. 50 kV. Virgile. Tu trahiras un chemin jusqu'à la chambre. Ah bon, je suis de côté du coup. Donc, il n'y a pas d'accès depuis l'Inde. Tu devras passer par l'aile ouest. Ah d'accord, mais. Voilà, allez hop, on finit ça tranquille du loup. Il n'y a plus rien, très bien. Hop là, c'était par là. Ah merde, c'est pas. On l'a pas vu, hein. Oh, voilà. Hop là. Non, c'est pas là que je vais aller. Mais casse-toi! J'espère que tu vas en sortir. Ça va pas être facile. De quoi? Non, j'ai pas envie d'y aller. Sinon, c'est par où? Ah, l'ascenseur là? Ah, ouais, tiens, tiens. 154. Ok, quelques petits soucis avec l'ascenseur. Hein. Oui, c'est bon. Il avait raison. C'est l'enfer ici. Ah, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que... De là ? Tu devrais voir le cœur principal, Dante. Il faut que tu trouves un moyen d'entrer. Fait chaud là, non?
Merci. Encore ? Ouais, c'est ça, allez. J'en ai vu des dizaines comme ça. Hein. Allez, voilà. Ah, le salaud, il esquive même comme ça. Ouais, allez. On va laisser peser. Ah, si. Yes. Ah, merci, tu me fais un petit chemin. Ah, c'est gentil, t'es gentil. Ah oui, d'accord. Qui est là? J'espère que ça va passer. Ouais, je l'avais dit. Hein. Bon, le temps est bon, le point d'ici est en... C'est pas ouf. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, ça passe quand même. Ça passe quand même. L'arnaque à la banque. Non, ça va. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui était nommé je ne sais plus. Je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve lors de la prochaine mission. C'était Thiom. Ciao, à la prochaine.